Morel. Ça marche avec l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer des 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts. 2,21 gigawatts. Mon dieu. Nani. Geek It, votre émission de culture geek sur Graphite, en direct de la Compiègne Geek Convention. Bonjour à tous, vous êtes sur le 94.9 ou sur graphite.net. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, une émission spéciale, un kit spécial, vu que nous sommes en direct de la Compiègne Geek Convention, la première édition qui se déroule donc ce week-end au centre de rencontre de La Victoire. C'est l'occasion de faire une petite pause pour nous aussi, s'amuser un petit peu, d'être tranquillement dans une petite convention. Voilà. Et pour commencer cette émission, on va d'abord présenter notre équipe, vu qu'il y a à peu près tout le monde. Nous avons Tristan. Salut Tristan. Salut. Ça va? Ouais, toi? Tranquille. Alors, qu'est-ce que tu penses de la convention pour démarrer? Bah franchement, pour une première édition, elle est super complète. Elle est super complète, hein, c'est pas mal. Vraiment, à l'entrée en fait, de la convention, on est vraiment au tout début. On est vraiment à l'entrée, quoi, vraiment à droite. Donc pour ceux peut-être qui veulent venir, c'est 5 euros. Malheureusement, la billetterie ne fonctionne plus, du coup, vous êtes obligé de venir sur place pour qui vous voulez. Donc c'est 5 euros, vous venez et puis vous vous amusez pendant des heures. Nous avons aussi Hugo Delgado. Salut Hugo. Ah, si, ça marche. C'est juste que. Faut que tu rapproches. Ah, voilà. Ça va très bien. Je suis super content d'être ici. Ouais, c'est cool, hein. Ça permet de faire une pause tranquille. Nous avons aussi Hugo Panel. Ça va? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Les infos d'Hugo, encore une fois. Et puis, enfin, nous avons Gabriel. Salut Gabriel. Salut. Alors, comment ça va? Ça va. Content d'être ici? Ouais. Depuis le début de la convention, mais bon. Ouais, on comprend beaucoup là. Puisque aussi, j'anime aussi la journée. Donc, du coup, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, pour commencer cette émission, on a l'honneur de recevoir. Donc, on s'est même pas présenté. En fait, et non. Tu t'es posé. Donc tu t'appelles? Alors je m'appelle Ben, voilà, et je suis un des deux gérants de l'Entre-deux-Mondes. C'est ça, donc l'Entre-deux-Mondes, donc une boutique d'univers geek qui a ouvert cette semaine, donc rue Saint-Joseph, non pas Saint-Joseph, non, Jeanne d'Arc. Rue Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, je confonds tout bien, donc ça a ouvert donc mercredi. C'est ça, c'est tout nouveau. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, y a pas de souci. Alors voilà. En fait, le concept de cette boutique, c'est de proposer tout un panel des différentes licences de la pop culture. Donc on va trouver tout un univers livre avec les mangas, les comics, la bande dessinée, tous les produits dérivés qu'on va pouvoir trouver autour de ces univers là, et aussi un gros ensemble de jeux, donc tout le jeu de société, le jeu de rôle et les jeux de cartes à collectionner type Pokémon Magic, donc avec un espace dédié à l'événementiel. D'accord. Voilà. Comment ça vous est venu l'idée de faire une boutique comme ça de geeks sur Compiègne? Alors en fait, on est deux passionnés de la pop culture. Ça fait plusieurs années qu'on réfléchit à monter ce projet. Chaque fois qu'on va dans des grandes villes, on se rend compte qu'il existe ce type de boutique. Et en fait, il n'y avait rien comme boutique comme ça sur Compiègne. Donc on s'est dit, bah c'est le moment de le faire. Il y a une grosse communauté de passionnés sur Compiègne qui attend ce type de boutique, et pour pouvoir se rencontrer, pouvoir échanger à propos de ces différents univers. Donc on s'est dit, bah il faut le faire. C'est vrai que la communauté est très très présente sur Compiègne, hein, sachant que de toute façon ça se voit aujourd'hui. Ouais. On a beaucoup de visiteurs là, par exemple au moment où je parle, ça rentre encore, c'est incroyable, ça s'arrête pas depuis ce matin. Et donc du coup, vous avez décidé d'ouvrir donc cette société. Donc vous avez ouvert mercredi. Tout à fait. Donc comment ça s'est passé l'ouverture alors? Alors ça s'est super bien passé. On a pour lancer un petit peu la boutique, on a fait une chasse au trésor dans Compiègne. Donc on a eu beaucoup de retours à ce,
Ça a bien plu, un petit peu avec le principe du géocaching. On a caché un petit peu des différentes balises dans le contenu noir et ceux qui les ont trouvés sont revenus en boutique. On n'a pas encore eu tout le monde, mais et donc comme ça ils ont un cadeau quand ils reviennent en boutique. Donc pour faire découvrir un petit peu la boutique et puis amener de l'animation. C'est vraiment le cœur en fait de notre boutique, c'est faire de l'animation pour les passionnés. Et donc je suppose que toutes les balises ont été retrouvées. Ouais, ça y est, c'est terminé. Alors du coup elles étaient cachées où? Alors il y en avait une au niveau de ville. Ouais. Il y en avait une, alors celle qui était assez, pour ceux qui ont vu les différentes énigmes, il y en avait une qui était assez spéciale à trouver, ça s'appelait d'un feuille, d'un précieux. Celle-là en fait, elle était difficile à trouver, elle était cachée à la bibliothèque Sainte-Corneille en fait, derrière l'exemplaire du Seigneur des Anneaux. Donc, mais finalement en fait on a eu des très très bons détectives parce que toutes les balises ont été trouvées et on est content, ça a bien marché et on compte renouveler l'expérience pour de futurs événements. D'accord, et là du coup en fait vous avez décidé donc de venir sur la convention, oui. Avant même donc l'ouverture de la boutique, c'est ça qui est drôle. Ouais, en fait c'était un peu la deadline en fait, nous on a voulu ouvrir la boutique, alors ça fait déjà quasiment 2 semaines qu'elle aurait dû être ouverte mais c'était compliqué au niveau des délais. Du coup on a pu ouvrir que mercredi et en fait c'était vraiment le délai, il fallait qu'on soit ouvert pour cette convention parce que c'est vraiment le lieu où fallait qu'on soit quoi, pour pouvoir rencontrer les passionnés et pour pouvoir montrer qu'on existe sur le Compiègnois. C'est vrai que sur le Compiègnois il n'y a pas de boutique comme vous, donc c'est vrai que ça a été vraiment une grosse exclusivité. Tu peux nous rappeler donc l'adresse? Alors c'est le 44 rue Jeanne d'Arc, c'est pour situer en fait c'est une rue parallèle à la rue Sainte-Corneille, donc la rue principale où il y a le marché tous les samedis et tous les mercredis. Et c'est en haut de cette rue, quand on part du bas de la rue avec la tour Jeanne d'Arc, on remonte et c'est sur cette rue là, à la sortie du marché aux herbes. D'accord, voilà. D'accord, très bien. Eh bien, vous avez peut-être des questions à poser à l'équipe, non? Peut-être qu'est-ce que vous vendez ou principalement? Peut-être des objets que vous cherchez, que vous n'arrivez pas à trouver, que vous voulez trouver dans la boutique, peut-être? Est-ce qu'il y a des figurines Dragon Ball? Alors ouais, on a rentré les dernières... Enfin, on a eu un bel avirivage des figurines Dragon Ball du film Broly, là, qui vient de sortir. Donc on a le trio Goku, Vegeta et Broly. Et elles sont vraiment... Par contre, ça part comme des petits pains, alors faut pas... Faut se dépêcher. Comme des petits pains. Et du coup, ça s'est passé comment pour vraiment de A à Z créer votre boutique? Parce que finalement, même vous avez fait de la pub aussi, je crois, sur les emplacements publicitaires de Compiègne. Parce qu'il me semble que j'avais vu une pub pour vous il y a quelques temps. Alors en fait, on a eu de la pub au niveau du Courrier Picard. Ouais. Qui nous a approchés, dû avec la chasse au trésor en fait. Ils sont venus nous voir parce que ça les intéressait, ça venait du dynamisme à la ville, donc ils étaient vachement intéressés. Donc du coup, on a pu faire notre pub avec eux. Et en fait, comment c'est venu et comment ça s'est passé? Ça s'est passé assez rapidement parce que on a voulu que ça ouvre très très rapidement. On a l'idée en fait, vraiment les premières démarches a commencé au mois de septembre. Et donc on a pu ouvrir au mois de mars. Alors pour nous on a trouvé que c'était long, pour les autres commerçants ils ont l'impression que c'était super rapide. On a fait les travaux, on était dans le rush total et là ça y est c'est enfin ouvert, donc on est super content. Et donc du coup, quelles sont les réactions principales du public finalement? Parce que vous avez dû avoir des belles réactions. Ouais, en fait on était vachement étonnés, on a eu beaucoup de monde le premier jour alors que c'était un mercredi, donc il y avait même des gens qui attendaient à 10h à l'ouverture devant la boutique. Des gens qui attendaient devant. Ouais. Donc c'est ça qu'on avait communiqué pas mal sur les réseaux, donc c'est bien, ça marche. Et en fait tout le monde est super content, même quand les gens ils tombent par hasard sur la boutique, ils sont étonnés et ils disent en fait ça manquait vraiment au centre-ville de Compiègne et vraiment à cette région qui manquait cruellement de boutiques du genre. Ouais, c'est vrai que sur le Compiègne. Ah, qu'est-ce que tu voulais dire Hugo? Au centre-ville avec des boutiques de vêtements. Oui, c'est vrai qu'il y a des boutiques de vêtements et c'est vrai que pour les geeks, on ne s'y retrouve pas forcément. Et c'est peut-être pour ça aussi que la convention aujourd'hui marche si bien. Ouais. C'est parce que finalement, même la convention, c'est la première fois qu'elle est organisée. Une vraie convention comme ça, c'est la première fois qu'elle est organisée. Et donc là, sur la convention, c'est pareil, vous avez dû avoir des gens qui sont venus vous parler, vous demander ce que c'était. Parce que finalement, c'est vrai que c'est assez bizarre quand même. On a une boutique qui est arrivée donc mercredi et qui est déjà présente sur une convention le samedi. Ouais, en fait, on s'est dit, en fait, dès qu'on a eu... j'ai rencontré David Gillet, en fait, parce que lui aussi a lancé sa boîte en parallèle de la convention, l'univers créatif. Et en fait, on a été en formation à la Chambre des Commerces ensemble, en fait, donc c'est une pure coïncidence. Et donc, on a pu échanger pendant les 5 jours de la formation, et quand il m'a présenté le projet, j'ai dit, non, mais il faut vraiment que tu nous trouves une place.
Et ça s'est fait rester un stand et voilà, et donc on s'est positionné là-dessus quoi. Mais enfin ouais, c'est vraiment l'opportunité géniale pour nous quoi, pour se faire connaître et puis pour rencontrer vraiment les gens fans de pop culture. Ouais, c'est vrai. Du coup, quels sont donc vos horaires dans la semaine? Alors, on sera ouvert de 10h à 19h tous les jours du mardi au samedi. Ouais. Pour l'instant, donc ça vient d'ouvrir, donc faut le temps qu'on se mette un petit peu en place. Mais après, on va faire de l'événementiel. Et l'événementiel sera principalement le samedi, là, les jours où il va y avoir pas mal de monde. Et à terme, on aimerait bien aussi faire un créneau une fois par semaine de 19h à 22h. Aussi pour de la découverte de jeux de rôle, de jeux de société. Oui, c'est un petit peu une nocturne, quoi. Voilà, c'est ça. Une sorte de nocturne pour... c'est quand même plus simple pour les gens qui travaillent ou alors même les étudiants pour qu'ils puissent se venir un peu en nocturne. Ouais, se détendre. Voilà, c'est ça. Ouais, pour après une journée. Voilà, mais... De toute façon, toutes les infos, on se les sur la page de l'Entre le Monde. On est très actif sur Facebook et Instagram. Donc, très très réactif parce que moi je vous ai envoyé le message lundi, je crois, et vous m'avez répondu dans la foulée. Ouais, d'être à l'écoute des gens aussi. Bien sûr, on est une boutique qui propose énormément de licences différentes, donc on peut tout avoir en boutique. Par contre, si vous recherchez quelque chose, il faut pas hésiter à mettre un message sur les réseaux. Et nous, on vous recontacte très rapidement si on peut les avoir. De répondre. D'être venu vraiment en premier invité finalement de cette émission, c'est vrai que c'est particulier. Donc cette émission sera retrouvée au podcast, donc vous passerez en podcast. Très bien. Tristan ? Peut-être juste une petite question. Oui. Il y a peut-être des personnes qui écoutent et qui voudraient lancer ce type de projet-là, mais qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Est-ce que tu as déjà quelques conseils par comparer à ce que tu as déjà pu faire pour lancer ? Alors, moi, c'est ma première expérience pour lancer mon entreprise. C'est beaucoup de boulot. C'est un concept de boutique qui ne parle pas à tout le monde. Faut l'avouer, il y a des passionnés, mais il y a des gens qui ne connaissent pas du tout cet univers-là. Et il faut avoir la niaque pour pouvoir défendre son projet. Donc ça, c'est faut pas lâcher en fait, auprès des organismes, parce que il y a beaucoup de monde à voir pour monter une entreprise. Ça se fait. Du coup, merci beaucoup. Donc, merci à n'hésitez vous. Pas à aller à l'Entre deux Mondes. Moi, j'irai faire un tour, parce que du coup, j'ai fait un tour, mais quand vous étiez en travaux. Ouais. Du coup, j'ai pas vu grand chose, mais je passerai vous voir. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et merci à vous également. C'est super sympa de nous avoir invités, en tout cas dans votre émission. Mais de rien. Nous, pendant ce temps-là, on va s'écouter un petit Ghostbuster, le fameux générique que vous connaissez tous peut-être dans l'équipe. Vous connaissez tous Ghostbuster, forcément. Évidemment. Évidemment. Donc on s'écoute ça. On revient dans un instant sur Graphite, toujours en direct de la Compiègne Geek Convention. Et puis on joue une vidéo cinéma de série High-Tech. Et c'est maintenant, c'est sur Graphite. À tout de suite.
Dans votre émission de Culture Geek en direct de la Compiègne Geek Convention, et nous avons l'honneur quand même, parce que c'est un honneur, de recevoir David Kruger. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, cette voix. cette voix quand même. Ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai peur maintenant de dire ce que vous faites, du coup j'ai peur. Vas-y, prends le risque. Alors, du coup, je prends le risque, attention. Vas-y. Alors, je risque de mourir à l'antenne, donc appelez la police d'avance. Donc vous êtes doubleur. Bing. Non, eh ben je ne suis pas doubleur, je fais du doublage, mais mon métier c'est comédien. Oui, c'est ça, voilà. Comédien voix off. Non, comédien. Non, comédien. Alors, je vais donner quelques petits exemples. Pour un comédien qui ferait de la télévision, tu ne dirais pas téléviseur. Ah oui. Pour un comédien qui fait du théâtre, tu ne dirais pas théâtreur. Pour un comédien qui fait du cinéma, tu ne dirais pas cinémaheur. Donc pour un comédien qui fait du doublage, tu ne dis pas doubleur. D'accord. En fait, il y a le métier de comédien qui est le métier de base. D'accord, et qui offre une palette de possibilités de métiers à faire, mais qui sont dans le métier de comédien. Donc on peut autant faire du théâtre, que de participer à des tournages, que de faire du doublage, que de faire des publicités, des voix pour du documentaire, etc. etc. Voilà. Mais le métier de base, en fait, mon métier, le métier de tous mes camarades, c'est comédien. Donc les gens aiment bien, en France particulièrement, mettre des étiquettes... sur les métiers, sur voilà. Et donc effectivement, il y a ce néologisme de doubleur qui est arrivé il y a quelques années et qui est un peu facile. Voilà, c'est pour mettre les gens dans les cases. Voilà, et j'aime ça, pas tellement mettre les gens dans les cases. Voilà, mais non, et puis au moins ça permet aussi de montrer aux gens que finalement votre métier c'est pas doubleur, mais c'est bien comédien. Mon métier c'est comédien, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais parler pour moi, je fais essentiellement, c'est vrai, depuis 32 ans du doublage, du travail avec ma voix, de la radio, tout ça, des documentaires, donc des jeux vidéo beaucoup. Mais il m'arrive, et fort heureusement, et c'est très 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 agréable et ça me d'ailleurs parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais d'être sur les planches au théâtre ou de tourner, voilà, faire un peu de cinéma ou un peu de télé, voilà. Donc mon métier c'est comédie. D'accord. Voilà. Alors du coup, quels sont vos voix régulières finalement? Ces dernières années, ce qui a été marquant, j'ai envie de dire, ça a été chez Marmour, dans Esprit Criminel, qui là, depuis, je crois que c'est diffusé depuis le 8 janvier, ça fait 2 mois pile, depuis le 8 janvier 2019 sur TF1, c'est SWAT. Donc c'est cet acteur chez Marmour. Et puis ces dernières années, relativement régulièrement, il y a eu, et j'en suis très heureux, Chris Pratt, dans Les Gardiens de la Galaxie, dans Jurassic World, dans Passengers. D'ailleurs, c'est votre voix. Comment ? C'est d'ailleurs votre voix dans le spot radio qu'on a diffusé donc pendant quelques semaines. D'accord. C'est votre voix et c'est Owen Grady justement. Owen Grady, ouais, oui, c'est ça. Justement. Ouais. Donc il y a eu Chris Pratt et là je suis très heureux d'avoir fait cette rencontre, si je puis dire, parce que j'aime énormément l'humour qu'il y a dans son jeu à ce garçon. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Et puis il y a eu Dwayne Johnson depuis 8-9 ans maintenant. La première fois que j'ai doublé Dwayne Johnson, c'était dans Fast and Furious 5. Wow. Il y a eu 6-7-8, il y a eu No Pain No Gain, il y a eu Hercule, il y a eu plein d'autres films. Il y a prochainement, je peux le dire parce que le film annonce a déjà été fait il y a un mois et qu'il est déjà diffusé, il y a le prochain film avec qui est un parallèle
Victorious avec... ça y est, ça m'échappe. Peut-être que Hugo a la réponse. Show. Comment? Hobbs & Shaw, non? Voilà, c'est ça, Hobbs & Shaw. Voilà, c'est exactement. Donc voilà, il y a eu d'autres acteurs que j'ai beaucoup aimé faire. Il y a Michael Shannon, que j'ai doublé aussi 3-4 fois, 5 fois, qui est vraiment un acteur absolument magnifique. Et puis, il y a eu Ed Helms, qui était dans les Very Bad Trip. Oui. Voilà, et que j'ai redoublé après 3 ou 4 fois, dont dans un animé qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelait Captain Super Sleep. D'accord. Voilà, et la série Captain Super Sleep existe maintenant, je crois, sur Netflix. Ah voilà. Oui. Voilà. Et il y a eu un film il y a 2-3 ans qui est sorti au cinéma, pour le coup. Oui. Et c'était Ed Helms qui avait fait la voix, et j'ai passé des essais, voilà, et j'ai donc fait Captain Super Sleep. J'ai bougé quelque chose, je n'entends plus. Voilà. des petits problèmes comme ça techniques. Voilà, donc il y a tous ces gens-là, puis il y a d'autres choses à côté, bien évidemment. Et puis il y a le. En jeu vidéo, il y a. Il n'y a pas Master Chief. Alors, Master Chief, oui. Ça, ouais. Oui. Il me faut une arme. Donc ça, voilà. C'est depuis 15-16 ans. Maintenant, j'attends l'Opus 6 avec impatience. Ça fait quand même 3 ans, je crois, que l'Opus 5 est sorti. Et je le dis. Et ils font traîner un peu les choses, je trouve. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres. J'ai participé d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les versions zombies ou dans les versions normales, à tous les Call of. Depuis que Call of Duty se fait, j'ai eu un rôle, voilà, donc j'ai fait des zombies avec une voix, voilà. Mais on s'amuse vraiment, c'est du plaisir tout ça. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Je fais Zavala, mais je ne sais plus dans quel jeu c'est Zavala. Ah, Destiny 2. Comment? Destiny 2. Voilà, dans Destiny, voilà, donc je fais Zavala. Il y a eu un prêtre russe aussi, mais je ne sais plus dans quel jeu. Enfin bref, voilà, des jeux vidéo, ça fait 20 ans, 21 ans que je participe à des jeux vidéo. Et puis le doublage, ça fait 32 ans. Voilà. D'accord. Alors finalement, comment vous êtes devenu comédien? Vous avez un parcours particulier? Je suis devenu comédien, j'ai envie de dire un peu par défaut. Mon géniteur et ma mère sont dans le métier même depuis très très longtemps. Ma maman a fait beaucoup de doublage aussi. Donc j'ai toujours traîné dans le milieu artistique. J'ai un frère qui est chef d'orchestre, une belle-sœur qui est pianiste soliste. Enfin voilà, j'ai une de mes sœurs qui a écrit un long métrage. Enfin, on a toujours traîné dans ce milieu-là. Et puis, mais c'est pas ce que je voulais faire au départ, en fait. Voilà. Ah, vous voulez faire quoi au départ? Quand j'avais 15-16 ans, je voulais faire de la photo, je voulais être photo-reporter. Ah, d'accord. Et je voulais parcourir le monde. Et, c'est un beau métier aussi. Avec mon appareil photo et prendre les gens en photo, parce que j'aime les gens et j'aime le regard des gens, j'aime voir les gens vivre. Et c'est ce que je voulais faire. Et donc, un peu par défaut, un peu peut-être aussi pour de mauvaises raisons, mais ça, voilà, c'est mon travail personnel. J'ai fait ce métier de comédien, et donc ma maman qui était déjà dans le métier, comédienne elle-même, donc m'a donné un petit coup de main, m'a fait rencontrer une ou deux personnes. Et puis après, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin tout seul de mon côté, mais voilà. Donc ma maman, c'est Anne Rochant. Voilà. Alors, comment ça s'est passé pour devenir la voix régulière de Dwayne Johnson? Ça a été un casting? Alors, pour Dwayne Johnson, non, ça n'a pas été un casting. Ça n'a pas été un essai. Chris Pratt, ça a été un essai. Chez Marmour, à l'époque, il y a 17 ans maintenant, ça a été un essai. 15 ans, ouais, 16 ans, 17 ans, enfin, ça fait longtemps. Non, Dwayne Johnson, c'est un directeur artistique qui m'a appelé un jour pour faire un film-annonce, donc le film-annonce de Fast and Furious 5. Et donc, j'arrive en studio, je regarde le film-annonce, voilà, ça dure 2-3 minutes. Et en regardant le film-annonce, je me dis, bon, moi, ça fait 24 ans, 25 ans qu'on me fait faire des méchants, avec ma voix, mon énergie, etc. Je fais des méchants le plus souvent. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme méchant sur le film-annonce que je viens de voir? Et donc, je me dis, voilà, ce méchant-là, ouais, pourquoi pas? Mais je me dis, mais celui-là, ce comédien, il est déjà doublé par quelqu'un, donc c'est pas celui-là. J'en regarde un autre, je fais, ouais, peut-être ça, je sais pas. Et à un moment donné, le directeur artistique me dit, bah tiens, tu vas faire le grand costaud là, le black, très costaud. Et là, je le regarde, je lui fais, mais tu rigoles ou quoi? Mais tu es genre le mec qui fait
2m27 pour, soi, pour 375 kilos, je veux dire que moi je suis une crevette à côté, je ne vais jamais, jamais passer. Il me dit, écoute, tu n'as pas dû bien entendre la version originale, réécoute, et tu vas voir, il n'a pas une voix si grave que ça. Malgré son physique, il n'a pas une voix si grave que ça. Je dis, oui, mais tu sais bien que inconsciemment, on imagine toujours les grands très costauds avec des voix assez lourdes et les petits maigrichons avec des voix relativement légères. C'est l'inconscient, hein, c'est comme ça. Et je lui dis, quand même, vu son apparence, en français, il faut que ce soit crédible. Il me dit, écoute, ferme ta gueule, fais le film annonce, t'as trois phrases, on y va, on tente, je fais le truc, je descends un peu dans mes graves au niveau du travail avec le micro, et ça passe. Et je filme. Bon, je me dis, bah voilà, c'est sympa, et... sur un film, je le fais, ça boum boum, il y a des belles bagnoles, de la baston, des jolies ouais. nanas, voilà, ça va être sympa, j'aurais pris plaisir à le faire. Et arrive le Fast and Furious 6, et le 7, et le 8, et d'autres films qui sont enchaînés. Je suis ravi, hein. Je suis ravi, d'autant que on pourrait se dire, avoir un a priori et se dire, ouais, Dwayne Johnson, ancien catcheur, ça doit être un comédien moyen, etc., blablabla, et en fait... C'est vraiment un super comédien. No pain, no gain, c'est absolument remarquable ce qu'il fait. Vraiment. Ce personnage hyper musclé, mais un peu bébête. Et il l'a assumé totalement. Donc c'est vraiment un plaisir de le retrouver à chaque fois. Voilà. Et même pour des trucs aussi délirants que Jumanji aussi. Voilà. Donc j'aime beaucoup travailler sur ce comédien-là. Du coup, je suppose que tous les personnages, vous avez quand même un attachement personnel. Bah, j'ai un attachement, oui, dans le sens où, comment dire, d'abord je les trouve bons comédiens, donc c'est agréable de trouver, de travailler, je veux dire, avec sur des comédiens qui sont déjà bons à l'image. Ça, c'est déjà un avantage, parce que c'est plus facile à imiter, je dirais, puisqu'on n'est que ça, on est des imitateurs, hein, nous, les comédiens qui travaillent en studio, on nous demande de se rapprocher le plus possible de l'original, donc de retrouver non seulement la voix, mais aussi le jeu, bien évidemment, hein, d'être dans l'œil du comédien qui est à l'image et d'essayer de se rapprocher le plus possible. Donc quand un comédien est bon à l'image, si on n'est pas soi-même trop mauvais, a priori, on doit pouvoir s'amuser et prendre du plaisir. Voilà. Donc, tous ces comédiens-là sont des comédiens absolument exceptionnels, qui ont une palette de jeux assez incroyable, de l'humour au tragique, etc. Et c'est très agréable de pouvoir bosser là-dessus, quoi. Voilà. Ah ouais, normal. Voilà. Eh bien, écoutez, merci David d'être venu dans. C'était court, c'est l'émission. Tout. Oh là là. Ah non, moi, je suis resté court, encore. On a déjà fait une bonne quinzaine de minutes. Hein. C'est vrai. Et oui. Il est déjà 14h30. Je vais revenir alors. Avec plaisir, avec plaisir. On refait un petit live demain. Demain, on n'est pas. Il n'y a pas d'émission demain. Ah merde. Mais un enregistrement, si vous voulez. Petite interview enregistrée qui sera. Allez, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est très gentil. De rien, de rien. Et puis venez tous à la Compiègne Geek Convention. C'est dur à dire. Ouais. Mais venez tous. Il y a encore toute la journée, la fin d'après-midi aujourd'hui, samedi, à Compiègne. Et puis demain, toute la journée, de 10h à. Et vous êtes donc du coup en dédicace. Et je suis moi-même en dédicace avec Brigitte Lecordier et deux autres comédiennes. Et puis il y a du monde. Et puis ça fait plaisir. Et puis les stands sont chouettes, et puis il y a de l'ambiance, et ça bouge beaucoup. Et c'est la première édition pour David Gillet qui organise ça. Et je dois dire que moi, j'avais rencontré dans une radio locale aussi. Puis à l'Aisne. Exactement, il y a quelques mois. Tu sais. Je sais tout. Tu sais tout. Et David m'avait proposé à ce moment-là, il débutait vraiment son aventure, il m'avait dit est-ce que ça te dirait, machin. J'ai dit bah évidemment, banco, première édition, ouais. On y va. Je suis partant pour ce genre de truc direct, surtout pour donner un coup de main. Je veux dire, ça, c'est comme ça que je fonctionne depuis tout le temps, donc voilà. Et je suis content parce qu'il y a du monde. Il y a du monde, ça bouge et ça bouge encore. Et là, ça bouge encore et ça rentre derrière moi encore et ça n'arrête pas. Et je suis ravi pour David, vraiment. Ouais. Vraiment, c'est une belle aventure qu'il vit. C'est la première édition et je pense, vu comment ça se passe, qu'il y en aura plein d'autres. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est tout le mal que du je Du coup, donc, finalement, vous êtes l'un des soutiens principaux, quoi. Non, je ne suis pas l'un des soutiens principaux, mais c'est vrai que je crois que c'est à moi qu'il a demandé en premier. Et bien évidemment, encore une fois, je le dis, moi, je suis partant pour ce genre d'aventure. Donc, j'ai dit oui tout de suite, vraiment à l'aveugle. Et voilà, et donc il s'est défoncé et c'est formidable. Ouais. Et il le paye aujourd'hui parce que les efforts qu'il a fournis. Mais les efforts qu'il a fournis sont vraiment récompensés. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment génial. Voilà. Bah, écoutez, donc venez tous aujourd'hui ou demain
à la Compiègne. C'est ça, il faut venir, c'est important. Merci beaucoup. Mais de rien, merci beaucoup à vous. Et à plus tard dans la journée, peut-être. Peut-être voilà. Qu'on se reverra dans la journée. Ok, super. Pendant ce temps-là, nous, on va s'écouter un petit générique que tout le monde connaît un petit peu. C'est les Mystérieuses Cités d'Or, suivi de The Power of Love. Donc un titre de Retour vers le futur. A tout de suite sur Graphite. Culture Geek. But winter is coming. Sur Graphite. Change.
On revient dans un instant sur Graphite, on s'écoute The Heroes et One Punch Man. C'est parti. Et vous êtes toujours sur Graphite, merci de nous écouter. Nous avons avec nous Baptiste de l'association Cosplay Hôpital 60, ça va ? Ça va très bien, un peu chaud, et toi ? Un peu chaud, ouais, ressort. C'est vrai qu'il fait chaud dans la salle là quand même, il fait quand même beaucoup chaud. Donc t'es venu dans l'émission il y a donc 2 semaines, il me semble, ouais, avec ta collègue. Aujourd'hui, là, maintenant vous êtes sur la convention, maintenant on vous a reçu avant la convention, maintenant on va vous recevoir pendant. Alors c'est quoi les réactions du public ? Écoute, on rencontre un grand succès. On a une tombola qui est ouverte depuis l'ouverture donc, du salon. Ouais. Et ça marche plutôt bien. On est assez surpris, agréablement surpris que ça marche autant. Beaucoup de succès. C'est vrai que ça marche beaucoup. Ouais. Là, ça n'arrête pas de rentrer depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Ça s'arrête plus, quoi. Les gens nous félicitent, nous encouragent pour cette action. Donc non, ça nous fait vraiment plaisir. C'est super important. Vous avez eu beaucoup de dons ? Oui, on a des dons. Bon, pour l'instant, on n'a pas compté. On verra ce soir ou à la fin du week-end. Ouais, mais, non, les gens se montrent généreux. Non, vraiment très bien. Très bien. Et nous avons donc Alexandre. Alexandre. Donc j'ai l'impression de te connaître. Je sais pas pourquoi. Peut-être par rapport qu'on s'est vu il y a pas si longtemps que ça. C'est ça, Alexandre Blavin. Voilà, c'est ça. Je t'avais reconnu. Et donc toi, tu travailles. Alors moi, je suis membre de l'association. Membre de l'association, ouais. Et c'est un vrai bonheur de voir déjà qu'il y a autant de monde pour une première édition du salon. Et on peut remercier aussi toute l'organisation, toute l'équipe technique, parce que c'est vraiment. Ouais. C'est fou. Ouais. Bravo David. Bravo David. Franchement, bravo, parce que c'est vrai que 10 mois de boulot intensif comme ça, en plus il y avait sa société à ouvrir, c'est pas simple. Et alors, le fait, en plus d'avoir rajouté donc, sa boutique, le fait que ça marche autant, c'est incroyable. Depuis ce matin, j'en ai des frissons tellement que je suis heureux. Quoi. C'est le froid, t'es dans le courant d'air. C'est vrai, on est un petit peu dans le courant d'air, on est un petit peu dans l'entrée. Mais... Non, mais c'est vrai que c'est exceptionnel quand même, ça marche super bien. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'animer le concours de cosplay, je sais pas si t'as entendu. Bon, c'était super long, hein, parce qu'on m'a eu d'ailleurs, il faudra que j'aille discuter. Qui a gagné le premier prix au fait ? C'est Thor. D'accord, ok. C'est Thor qui a gagné. Et d'ailleurs, je crois que David avait fait une annonce pour vous faire des dons. Donc, super, voilà. Merci. Sinon, vous avez eu des nouveaux bénévoles pendant les premières heures ? Alors, pas à ma connaissance, que moi je suis un peu plus sur le photocall et la tombola. Je pense que Ingrid est un peu plus au courant que moi. Mais j'espère qu'on aura des nouveaux adhérents, ouais, j'espère. Ouais, c'est cool, ça serait cool. Même des bienfaiteurs, vous en avez des bienfaiteurs ? Oui. Ouais, vous en avez eu depuis ce matin ? On en a, ouais. Bon, allez, je vais te laisser parce que je vois que t'es en train de suer là, t'en peux non, plus. Non, mais non. T'es en train de. C'est les néons, c'est ça. Et puis on va tout de suite se diriger vers l'équipe parce que du coup ils ont préparé leur chronique. Et on va tout de suite faire la chronique spéciale jeux vidéo. Donc du coup la spéciale Compiègne Geek Convention, n'est-ce pas ? Pas spécialement, c'est plus de l'actu. Ok. La chronique jeux vidéo sur Geek It. Donc vas-y, tu peux y aller. Donc on va d'abord commencer avec Apex Legends qui a dépassé en moins d'un mois le cap des 50 millions de joueurs. Donc il faut quand même rappeler que Apex Legends c'est un concurrent de Fortnite et que Fortnite sur ses 6 premières semaines avait fait seulement 20 millions de joueurs.
Ouais, donc c'est un petit peu, voilà, ils sont fait un petit peu dépassés quand même. Bah là, on peut dire que Apex arrive comme en force face à Fortnite. Donc ensuite, on a aussi Konami qui a présenté les détails de son centre de e-sport. Donc il sera situé à Ginza, donc c'est un quartier chic de Tokyo, et il sera baptisé le Konami Creative Center. Donc il doit être normalement achevé d'ici la fin du mois de novembre et devrait être fonctionnel pour les Jeux Olympiques de l'été prochain. Ah cool, ça permettra d'avoir un nouveau truc. Bah oui, c'est totalement ça. En plus, j'en avais déjà parlé lors des émissions pilotes, mais donc vous étiez au courant, et les auditeurs non. Mais non. Mais il avait été question d'une délibération par le comité olympique pour intégrer l'e-sport aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc le bâtiment devrait faire normalement 12 étages et il abritera également un complexe sportif. Donc ça permettrait de croiser e-sport et sportif classique. Et donc ça, il abritera aussi un grand magasin d'équipements sportifs qui sera accessible aux utilisateurs. D'accord. Quand la construction sera terminée, Konami va organiser des cours et des entraînements spécifiques, mais on ne connaît pas encore les modalités pour rejoindre ces cours et ces entraînements. D'accord. Donc on va aussi parler de Red Dead 2 qui a très très bien marché quand même depuis son lancement, mais on a quand même une grosse baisse de prix qui a été constatée étant donné que le jeu est quand même passé de 70€ à 40€. Donc je sais pas toi si tu peux justifier. Bah tant mieux pour ceux qui ont pas assez d'argent, c'est... qui n'ont pas encore pris. Bon, par contre, si vous l'avez pas encore acheté, allez-y, parce que c'est honteux là. Alors moi je suis excusé, je joue sur PC. Ah ouais, ouais, voilà. Tu joueras jamais du coup. Si, mais dans 2 ans. Ouais, ils ont ressorti Red Dead 3 depuis. Non, c'est Rockstar. Donc ensuite on va aussi parler de Halo Infinite, ça tombe bien parce que tout à l'heure on avait parlé de la série des Halo avec David Kruger. Ouais. Donc Halo Infinite sortira bien sur Xbox One et PC fin d'année 2020. En 2020, d'accord. Donc on aura sûrement une confirmation de ça le 3 cette année. Ah, le 3, le fameux. Ensuite on va parler un peu Switch, étant donné que celle-ci est quand même assez impressionnante, étant donné qu'elle a, ça fait 12 mois qu'elle est en tête des ventes au Japon. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Ça fait un an. Mais même nous en Europe, le prix ne baisse pas. Hein. Genre, oui, ça reste. Bah, ça prouve quand même que c'est un contexte qui fonctionne très bien. Ouais. Et comme quoi les consoles portables sont pas forcément si dépassées que ça. Ouais. C'est ça. Parce que c'est vrai que ça fait quelques années, notamment, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles DS que. Les consoles portables, on n'en voit plus du tout, et la Switch est en train de les faire revenir, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ouais, c'est carrément une bonne chose. Ouais. Donc je vais terminer avec juste un tout petit peu d'espace pour revenir faire une petite. On peut toujours un petit rapport à l'espace, sinon ce n'est pas une chronique. Non, mais de c'est une petite update comparée à ma chronique de mercredi. Ah d'accord. Bon. Bah. Donc c'est la Crew Dragon. Donc j'avais dit qu'elle allait se désamarrer de l'ISS et atterrir donc hier, et bah tout s'est déroulé parfaitement comme prévu et SpaceX a pu la récupérer sans problème. D'accord, ok. Je tiens à rappeler que nous sommes en live Facebook, on est sur la page de Radiographique 94.9, pas de SMS hein, du coup, donc on peut pas lire vos réactions. Nous sommes aussi en direct sur Twitch, donc twitch.tv/geekitgraphite, et également sur YouTube, voilà. Écoutez, je pense que Hugo, on va le laisser un petit peu se détendre hein, tranquillou. En attendant, on va s'écouter Capitaine Flamme, le générique, et puis Ulysse 31, et puis on revient dans un instant sur Graphite. À tout de suite. Thank you.
Toujours en direct de la Compiègne Geek Convention. Oui, Tristan, t'as quelque chose à dire ? Non, mais vas-y, hein, même si t'as un truc en antenne à dire, vas-y, hein, on voit. Non ? Bon, bah, je crois que c'est l'heure du go, il me semble. Je me trompe ? Non. Les infos du go. Enfin, c'est moi, quoi. Aujourd'hui, on va parler de la quatrième dimension qui fait son grand retour. On va parler de moto volante, de calculatrice open source de Microsoft. On va parler rapidement de Skype pour le web, d'expérience en réalité virtuelle sur les trous noirs, de concours sur Tetris 99 et d'Android Q, la toute prochaine version. Très bien. Bienvenue dans les infos du go. Les infos du go. Enfin, c'est moi, quoi. La série mythique The Twilight Zone de 1959 a marqué tant d'esprits. Reviendra cette année dès le 1er avril. Un trailer est déjà disponible sur le compte Twitter de la série. Malheureusement, la série sera uniquement disponible sur la plateforme CBS All Access. Ah oui, CBS, ouais. D'accord. C'est dommage. En même temps, c'est Netflix, on n'a pas voulu. Ouais. T'as pas le petit transition ? Non, j'ai pas, non. Okay. On va passer. La société californienne Jetpack Aviation, qui crée et commercialise les jetpacks, propose en précommande une moto volante dans le même style que le speeder dans Star Wars. Et elle sera capable d'aller à plus de 240 km/h et à quasiment 50 000 mètres d'altitude. Ah, pas mal. Le seul problème, c'est l'autonomie qui est restreinte à 10 voire 22 minutes. C'est pas beaucoup. Ah ouais, mais en effet, c'est pas terrible. Et son prix en précommande est de 10 000 dollars. Ah oui, quand même. Et il faut aussi noter qu'il n'y a que 20 modèles dans le monde. Ah ouais, ça calme. Hein. Ouais. Ah, je crois que j'ai la virgule. Bouge pas. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas grave. Ça marche quand même. C'est pas grave. Oui, ça marche quand même à vos yeux. Donc Microsoft a publié le code source de la calculatrice de Windows 10. Ça fait partie des nombreux programmes open source que Microsoft propose. Et le code témoigne de 20 ans d'évolution. Microsoft invite tous les développeurs du monde entier à contribuer s'ils veulent pour éliminer tous les bugs et rajouter toutes les fonctionnalités. Éliminer tous les bugs. On se dirait dans une mission de Call of, t'sais. Éliminer tous les bugs. Non mais voilà. Ah, je crois que c'est la bonne celle-là. C'est la bonne. Parfait. Si vous utilisez Skype depuis votre navigateur, juste une petite info, il faut que vous sachiez que ça sera disponible plus que sur Edge et Chrome. Et pas de version Linux, rien. D'accord. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Comme vous le savez tous, Stephen Hawking est décédé il y a bientôt un an. Mais 2 ans avant son départ, le physicien théoricien s'était allié à un studio britannique nommé Atlantic Productions, afin de créer une expérience de réalité virtuelle. Le studio a annoncé la sortie du projet pour 2020. Dans cette expérience, l'utilisateur pourra visiter l'univers aux côtés de Stephen Hawking, qui lui expliquera le fonctionnement des trous noirs. On ne sait pas par contre, à l'heure actuelle, sur quel casque est-ce qu'on pourra l'utiliser. Donc il faudra attendre. Et pareil, la date de sortie n'est pas encore précise. On sait que ce sera courant 2020, mais on ne sait pas exactement quand. D'accord, ok. Si vous êtes un pro de Tetris et que vous possédez une Switch, écoutez bien. Nintendo organise un concours en ce moment même depuis hier et qui se termine lundi à 7h, il me semble. Donc faut faire vite. Ouais. Pour participer, vous devez être abonné au service Nintendo Switch Online et posséder le jeu Tetris 99. Apparemment, la version démo fonctionne aussi. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le jeu. Il vous faudra ensuite terminer au moins une partie pendant la période. Et Nintendo tirera ensuite au sort 999 personnes qui recevront 999 points or Nintendo, soit 10 euros. D'accord, ok. D'accord. Donc bonne chance à tous. Bonne chance. Et voilà, alors suivant. Dernière info, ouais. Alors qu'Android Q, la prochaine version d'Android, est censée sortir dans plusieurs mois, un utilisateur, c'est le créateur de Magisk pour ceux qui connaissent, qui permet de router vos téléphones Android, a déjà réussi à router le système d'exploitation de Google. Alors qu'il n'est même pas sorti, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. Ah, c'est tout ? Ok, d'accord. Bon, bah, merci Hugo pour cette chronique. J'ai des impératifs, donc il va falloir que je trace très très vite parce qu'il y a des nouveaux guests qui arrivent. Voilà, qui arrivent donc des guests, des acteurs de Star Wars qui arrivent. Donc en attendant, on s'écoute un petit titre style graphite et puis on revient après avec un autre titre. Et cette fois-ci, ce sera, si je cherche, ce sera Sunflower. Voilà, pour ceux qui connaissent. A tout de suite sur Graphite. Thank you.
person on the soul, but let it go. Give me a human drama again, again. Give me a human drama, we break the box to find a hundred more. Give me a human drama, there's lots to learn, but so much more to unlearn. Give me a human drama, the person on the soul, but let it go. Give me a human drama, we kind of feel it, the gender's just a lie. Gender's just a lie. The gender's just a lie. Give me a human drama and understand that gender's just a game. Give me a human drama, all sexuality is not the same. Human drama, the personal is so political. Give me a human drama, it kind of feels the gender's just a lie. The gender's just a lie. En direct de la Compiègne Geek Convention avec vous sur Graphite, les gars qui n'ont toujours pas compris qu'on reprenait l'antenne. Allô?
ah bah enfin quand même, parce que je me suis dit ils sont paumés là. Non en fait ils ont toujours pas compris je crois. Allô ? Oui on est là. Ah non mais parce que je sais pas Tristan, je crois qu'il a pas l'air de comprendre. Ah bah il est dans l'espace comme d'hab. On est un chouï à l'antenne là en fait. Non mais en fait j'étais en train de l'expliquer à lui. D'accord. Oui voilà, ma prof d'anglais qui vient de nous rejoindre sur le stand, ça fait plaisir. Bonjour, ça va ? Bon allez, on s'arrête là, on arrête de faire des trucs bizarres. Il y a Audrey Sourdive qui arrive dans un instant, Gabriel est parti la chercher en toute tranquillité. Est-ce que vous avez... Oui donc on est au centre de rencontre de la Victoire pour la première édition de la Compiègne Geek Convention. Convention qui marche beaucoup, qui marche très très bien là parce que... Oh là là mon dieu, est-ce que vous avez vu l'entrée ? L'entrée est bouchée quoi. C'est incroyable. Voilà, donc d'une minute à deux, d'une minute à l'autre, elle devrait arriver. Nous sommes en live sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube. Oui, c'est ça, YouTube, Facebook et Twitch. Voilà, on est au plein milieu de ce salon qui marche très très bien, n'est-ce pas Tristan ? Carrément. Parce que nous, on est là depuis ce matin, on a même fait le signalétage ce matin. Ah oui, nous, ce matin, on a mis notre main à la pâte. Ouais, franchement c'est un salon où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'activités, il y a pas mal aussi de choses qui sont mises en place pour accueillir le public et pour présenter et puis franchement c'est top. On pouvait pas rêver mieux pour une première. Ouais c'est vrai qu'on pensait pas mieux. Moi je pensais qu'il allait y avoir un petit peu moins de monde quand même parce que je me suis dit voilà c'est le centre de rencontre de la Victoire. Mais au final je vois que depuis tout à l'heure ça n'arrête pas de tourner, ça n'arrête pas de rentrer, de sortir, c'est incroyable quoi, ça s'arrête jamais. Et on est en train de... Enfin, c'est 10 mois de boulot quand même. Enfin ouais, c'est clair. Et franchement, j'espère que ça sera la même chose demain. Et pour nous, en fait, ce qui est drôle, c'est pour nous, équipe de Geekit, c'est la première fois. Moi, c'est ma seconde fois en extérieur, parce que j'ai déjà fait la fête de la science. Mais du coup, c'est notre première fois en extérieur. Et puis, du coup, c'est sympa, quoi. On est ensemble, on est tous réunis pour animer cette émission. Bon, en attendant qu'elle arrive, vous savez ce qu'on va se balancer ? On va se balancer un petit générique d'Inspecteur Gadget. Oui, je galère, je trouve pas quoi dire. On se retrouve après un générique d'Inspecteur Gadget. Ça fait très, très gamin, mais c'est pas grave, je kiffe ce générique. A tout de suite sur Graphit.
夢を覚ましたかい。それなのになぜ目も合わせやしないんだい。遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。心が体を追い越してきたんだよ。君の髪や瞳だけで胸が痛いよ。同じ時を吸い込んで話したくないよ。遥か昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい。君の全然en direct de la Compiègne Convention qui se déroule au centre de rencontre de la Victoire, et nous sommes avec Audrey Sourdive. Ouais, bonjour. Comment ça va? Mais ça va bien, un peu ça va bien. Un peu stressé quand même. Ouais, pourquoi? C'est quoi? C'est la convention? C'est la convention, c'est rencontrer plein de monde, c'est les micros, c'est les caméras. Ça oh, les micros, les caméras, il n'y a rien de nécessaire. Donc vous êtes la voix, enfin tu es la voix de Cassandra dans Assassin's Creed, donc le dernier. Ouais, tout à fait. Christian, tu as joué? Non. Non, tu n'as pas joué. Payer le c'est dommage parce que t'aurais pu placer un visage sur une voix, c'est spécial. Ouais. Moi, je l'ai à la maison. Ah, il l'a à la maison. Et donc, du coup, ça y est, tu as pu poser un visage. Est-ce que ça fait bizarre alors? Un peu quand même. Ça fait bizarre, hein. Ouais. T'as le personnage devant toi en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme voix aussi? Alors, moi, j'ai bossé dans Blade Runner 2049. Ouais. Je faisais la voix de Love, la méchante robot qui. Qui prend pas très très bien les choses. j'ai bossé dans Ralph 2.0 aussi, qui vient de sortir, c'est la voix de chance, c'est le prendre les bagnoles, et qui est plutôt assez badass, c'est cool. J'ai fait des petits jeux après dans plein de choses, dans le dernier Star Wars, j'ai fait un tout petit rôle dans Solo, voilà. Attendez, comment ça s'appelle? Voilà, ça c'est mon stress du micro, la joie. J'ai fait la reine Elisabeth dans Marie Stuart qui vient de sortir justement au cinéma. Oui, j'ai vu aussi, oui, voilà, j'ai vu, je fais la voix française. Et dans Glass, je fais la voix de Sarah Paulson. Sarah la Paulson, suite d'accord. D'Incassable. Incassable, oui, d'accord, je vois. Voilà. De sortir aussi. À la base, tu voulais faire comédienne ou pas? Parce que du coup, David Kruger nous a bien expliqué tout à l'heure ce qui était un comédien et un doubleur. Doubleur, ça n'existe pas. Non, on dit comédien de doublage, c'est le terme, mais bon. Ouais, mais c'est pas grave, on va pas. Voilà, voilà exactement. Mais bon, du coup, c'est ce que tu voulais faire à la base ou... Alors, moi, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 5 ans. Ouais. Et j'ai toujours voulu faire du théâtre. C'est quelque chose qui m'a passionnée et que j'ai fait jusqu'il y a 3 ans et je continue d'ailleurs à en faire. Par contre, depuis que je suis toute petite, je m'éclate à faire les voix de méchants de dessins animés. J'adore, notamment dans Le Roi Lion, je m'éclatais à faire la voix de Scar, la voix d'Ursula dans La Petite Sirène, c'est des trucs qui m'éclataient. Donc j'avais déjà un intérêt pour le doublage de voix. Mais j'ai commencé ça il y a 3 ans. Moi, je suis une petite nouvelle dans le métier. Hein. J'ai commencé tout petit. Et là, ça commence à bien se passer. Il y a des jolis rôles qui arrivent. Mais je suis vraiment une nouvelle, moi. Tu es dans des gros films quand même. Mais Ça commence. J'ai du bol. Je travaille avec des gens super et j'ai la chance qu'on me propose des super rôles assez rapidement. Alors, ce qui est coup, assez rare. Comment tu as atterri dans le... Eh ben, dans le doublage, il y a eu pour la première fois de ma vie, j'ai eu une période où je travaillais pas en tant que comédienne. Ouais. Donc je me suis dit, bah là, il faut que je trouve quelque chose à faire, clairement. Et l'idée du doublage revenait régulièrement depuis des années. Et je me suis dit, bah c'est l'occasion de faire un stage.
doublage avant de me lancer vraiment dans le doublage. Je voulais voir si le doublage m'aimait autant que je l'aimais, parce que faut pas se lancer dans ce genre de dans ce genre de métier si on n'est pas fait pour ça. Ça sert à rien, on va faire perdre du temps à tout le monde. C'est donc ça. J'ai fait un stage. Les gens m'ont dit vas-y fonce, t'es faite pour ça. Et j'ai assisté pendant des mois et des mois et des mois. J'étais dans les studios, je regardais les autres travailler, puis on m'a fait faire des tout petits ça rôles. Ça doit être un petit peu frustrant, non ? De voir les gens faire et que début, nous, on est toujours au début, un petit oui, peu... mais en même temps, c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'on apprend énormément en voyant des mecs, justement, comme David ou comme d'autres. Même Clara, qui est là aujourd'hui pour Eleven. Brigitte, elle est extraordinaire. J'ai regardé des séances de doublage. C'est incroyable. Voilà. On en a plein, des grands artistes. C'est vrai que c'est... Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous là, en plus, aujourd'hui. Et non mais franchement, et c'est vrai que c'est incroyable quand même. Ils ont un panel de voix. Ils peuvent moduler, c'est génial. C'est ça, ils modulent leur voix. Et ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Moi, je sais que c'est aussi pour ça que j'aime ce métier, c'est parce que on m'a pas cantonné dans un type de rôle. Je fais des blacks, je fais des asiatiques, je fais des petites blondes. Totalement pétasse à gros seins, pardon, ça se dit peut-être pas à la radio, ça. C'est pas grave, on est sur une radio associative. Voilà. Je fais beaucoup de flics, de psychopathes, tu vois, on me met sur plein de rôles différents parce que comme j'ai une voix assez grave, mais quand je la prends beaucoup plus aiguë, ça peut faire vite pétasse, justement. Donc voilà, on me met sur des rôles vachement variés et ça, c'est quand même super agréable. Ouais, c'est sûr. Et alors, comment t'as fait pour atterrir dans des films du type Ralph 2.0 ou c'est par casting ? Alors, c'est par casting. Et c'est aussi parce que quand t'enregistres souvent dans les studios, les mecs qui sont directeurs de plateau sont souvent comédiens aussi. Ah, du coup, donc ils te voient enregistrer sur d'autres rôles. Et c'est comme ça que souvent j'ai été repérée. Et on m'a proposé de passer des essais. Et Ralph 2.0, j'ai passé un essai pour Disney. Glass aussi, pareil, un essai. Enfin, c'est des castings, quoi. C'est le principe du casting. Ouais. Donc voilà. Et ça va être à peu près la même question que David, mais que j'ai posé à David, mais tu as forcément un attachement après au personnage. Ouais. Et ça doit être spécial. Ah bah c'est particulier parce que à la fois on sait bien que c'est pas nous hein, qui sommes à l'image. Il y a beaucoup de gens qui font oui, j'ai fait ce rôle-là, j'ai fait ce rôle-là. Non, non, on a prêté notre voix à un comédien qui a interprété le rôle. Mais après, notre boulot en tant que comédien de doublage, c'est vraiment de rendre hommage au comédien anglais et essayer de retranscrire absolument ce qu'il a fait lui en anglais et de le transmettre en français. Ouais. Donc oui, on s'attache au personnage et en même temps, on a bien conscience qu'on n'est pas le comédien qui interprète. On rend hommage. Ouais, c'est ça. C'est fou quand même. Du coup, vous avez déjà regardé ou peut-être écouté une voix, peut-être dans Ralph 2.0, vous avez été le voir ou pas ? Moi, j'ai vu Ralph et j'ai vu Glass. D'accord. Et dans Glass, c'est un rôle. Dans Glass, je fais... C'est bizarre. Et alors la convention, comment t'es arrivé à la convention finalement ? Alors la convention, c'est Clara Soares. D'ailleurs, je viens de recevoir un message, apparemment elle est disponible, donc on va peut-être la recevoir juste après. Elle va venir juste après. C'est Clara qui m'a permis de rencontrer David qui organisait la convention. Et moi, j'avoue que ça m'intéressait énormément déjà parce que je suis une grosse joueuse de jeux vidéo. Je suis une grosse comme geek. Quoi, les apparences ne font pas les choses. Ah bon, pourquoi ? Tu es une geek ? Non, c'est pas ça, c'est juste... Jusque souvent, les femmes jouent quand même. Ouais, ouais, bien sûr. Bon, après, c'est des stéréotypes ça, aussi. Ça a joué, c'est vrai, tu vois, dans le casting pour le rôle, je pense, de Cassandra dans Assassin's Creed. Tu penses ? Je suis arrivée déjà, quand j'ai passé l'audition, j'étais comme une dingue en disant, je mets ma voix sur le personnage juste pendant 2 minutes, c'est déjà exceptionnel, vu que